Le vaccin chinois CoronaVac serait-il rejeté par certains pays au monde? Bonjour à tous les amis sur Facebook, Instagram, YouTube qui regardent cette vidéo. Je suis Noé Belay, docteur en sciences de l'information et de la communication. Voici le 8e épisode de ma playlist sur YouTube About Fact Checking, Hawla Tahaqqaq Min Al Ma'loumat. Une initiative qui a été lancée avec la troisième vague du coronavirus en Tunisie. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le vaccin chinois serait-il donc rejeté par certains pays à partir du moment où vous voyagez, vous voulez avoir accès à ce pays-là? Alors, depuis le démarrage de cette crise sanitaire, comme vous le savez, nous sommes tous en train d'accuser la Chine. Je dis tous, mais la majorité est en train d'accuser la Chine comme étant acteur principal de la propagation de la COVID-19 et notamment du camouflage médiatique autour de la crise. Cette crise sanitaire qui est devenue incontrôlable malheureusement, et chaque jour nous assistons à la naissance d'une nouvelle souche britannique, indienne, subsaharienne et autres, et on attend toujours à avoir donc de nouvelles découvertes scientifiques malheureusement. Bien que Pfizer soit le premier vaccin lancé dans le monde, comme vous le savez, voilà que CoronaVac est un vaccin chinois qui a été adapté ou adopté par de nombreux pays donc dans le monde, c'est-à-dire beaucoup donc de citoyens dans le monde ont été vaccinés, ont eu deux doses déjà de ce vaccin-là, notamment en Égypte, en Serbie et d'autres pays donc de l'Union européenne qui n'ont pas eu malheureusement ces pays-là, pas tous, mais certains qui n'ont pas eu accès aux autres vaccins. Alors, certains disent maintenant que certains pays refuseront prochainement l'accès d'un voyageur ayant reçu deux doses du vaccin chinois CoronaVac. Et c'est une question très importante actuellement. Or, ce vaccin qui est le premier vaccin chinois examiné par l'instance européenne du médicament, une institution reconnue par ses compétences dans le domaine de santé. Et rappelons déjà qu'une première étude publiée vendredi 16 avril 2021 par le gouvernement du Chili, un des pays les plus avancés dans le monde en matière de vaccination, a confirmé que le vaccin chinois CoronaVac est efficace à 67% pour prévenir les cas symptomatiques de la COVID-19 et à 80% pour prévenir des décès. Ça dépasse déjà le vaccin AstraZeneca. Alors, jusqu'à présent, aucun pays donc au monde ne refuse l'accès d'un voyageur ayant reçu deux doses du vaccin chinois CoronaVac. Bien au contraire, de nombreux pays ayant déjà adopté ce vaccin. Et le problème se pose réellement aujourd'hui autour d'un autre vaccin qui est le vaccin anglais AstraZeneca qui a commencé à créer une grande polémique dans le monde, notamment donc en Tunisie. C'était le 8e épisode de ma playlist sur YouTube About Fact Checking, Hawla Tahaqqaq Min Al Ma'loumat. J'espère très bien que j'ai réussi à vous donner donc une réponse claire. Reste à vous dire à la semaine prochaine, à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte donc Facebook ou à ma chaîne YouTube afin de suivre donc les autres vidéos, et vous pouvez déjà regarder les anciennes vidéos si vous avez des questions qui vous interpellent. Et vous trouverez plus de détails, comme toujours, dans mon article publié sur Espace Manager, notamment l'article qui traite donc la question de l'efficacité des vaccins qui existent jusqu'à cette heure actuelle. Merci pour votre attention et à la prochaine.